Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tahaha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi, Istawa, sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider ?» Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé, « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée, toi. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit, jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois. Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian, ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit, « Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse ?»« Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. » « Qu'en est-il donc des générations anciennes ?» dit Pharaon. Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau,
et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie ? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Pharaon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, « Voici deux magiciens qui, par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » Ils dirent, « Ô Moïse, où tu jettes le premier ton bâton ? Ou que nous soyons les premiers à jeter. » Il dit, « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. » Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, « Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Alors Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. » « Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Nous révélâmes à Moïse, « Pars la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. » Pharaon les poursuit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. « Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous